This is from Matilda. Je préfère parler de spiritualité, en fait. Bon, pour moi, l'art est indissociable, voilà, de la spiritualité. La peinture, vraiment, me permet de creuser en moi, voilà, d'aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur. J'essaye toujours d'être en accord avec ce que je ressens profondément. Et on va dire qu'en ce moment, c'est plutôt quelque chose qui coule. Plus de couleurs aussi. Ça a commencé par la pluie, par les cascades, par l'eau, voilà, l'eau, l'élément eau que je n'ai jamais beaucoup travaillé jusque-là. C'était plutôt, je suis une terrienne, moi je suis ancrée dans la terre, parfois lourde même, dans la glaise, voilà. Et l'eau, disons que je rapproche ça de l'inconscient, voilà, de tout ce qui est inconscient et qui émerge de manière fluide et tranquille. Je travaille beaucoup sur du bois justement parce que ça permet des gestes un peu plus forts, un peu plus intrusifs, on va dire. J'aime gratter, poncer, en fait mettre de la matière puis redécouvrir ce qu'il y a en dessous. Voilà, il y a beaucoup de couches en fait dans mon travail. J'ai commencé la sculpture il y a 8 ou 9 ans, à un moment où la peinture, en fait, je n'arrivais plus à rien sortir. Voilà, j'étais sèche. Hein. Quoi dire, plus d'idées, rien. Je me suis mise à la terre et en fait c'est la terre qui m'a permis vraiment de recontacter des émotions très profondes et qui m'a permis ensuite de revenir à la peinture avec... ma peinture a totalement changé après ce passage à la terre. Comme quoi, changer de technique, ça peut être important pour un artiste. Ce que je produis, je le donne à voir, pas souvent d'ailleurs, mais quand je le donne à voir, j'espère, oui, avoir engagé un dialogue avec des gens. Mais en fait, dès lors que mes toiles sont sur les murs, j'ai l'impression que ce ne sont plus les miennes, de toute façon, elles ne m'appartiennent déjà plus. On m'a dit « quelle maîtrise technique ?» Bon. Alors que moi, je n'ai pas du tout l'impression de... Enfin, je ne maîtrise rien, je ne cherche pas à maîtriser les choses, justement. Je cherche à laisser aller les choses, à les laisser couler, c'est tout. Alors, bon, peut-être que j'ai de la technique malgré tout, mais bien que n'ayant jamais fait d'école, mais cette technique, je l'ai acquise en travaillant, voilà, en découvrant par moi-même, en me posant des questions. Et surtout, le gros travail, c'est le lâcher prise, quoi. Voilà, c'est laisser aller.